21h, 22h, Tout est politique. Jean-François Aquili. Bonsoir, Mathieu Gallet, démis de ses fonctions. Qui pour lui succéder et quel avenir pour l'audiovisuel public Ça en fait des questions. On en parle dans Tout est politique sur France Info jusqu'à 22h à la radio et en même temps à la télé sur le canal 27 de la TNT avec nos invités Jean-Marie Cavada. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Vous êtes député européen, président de Génération Citoyen et. L'ancien PDG, l'un des anciens PDG... De Radio France. Avec nous, bonsoir André Gatolin. Bonsoir. Vous êtes sénateur La République en marche des Hauts-de-Seine, spécialiste des questions liées à la réforme de l'audiovisuel public. Vous avez beaucoup de choses à nous dire ce soir. Avec nous également Daniel Simonnet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue. Oratrice nationale de la France Insoumise. Vous voyez, j'ai retenu la leçon. <rire> Coordinatrice <rire> du parti de gauche, conseillère de Paris. Je ne sais pas si vous faites de la télé, vous, avec le, le fameux média. Non, mais je fais. Euh... Je fais des conférences gesticulées. Ah voilà. oui. Je fais de la politique sur les planches au théâtre également. Voilà, c'est un petit peu loin de notre sujet. Avec nous également, mon complice, Gilles Bornstein. Bonsoir Gilles. Salut Jean-François. Voilà, notre éditorialiste sur France Info, vos réactions, comme d'habitude, sur Twitter, hashtag TEP. L'exemplarité était nécessaire et une condition absolue pour les dirigeants d'entreprises publiques. Voilà, c'est par ces mots que Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, a pris acte de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel de, de démettre Mathieu Gallet. Le PDG de Radio France, condamné pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'INA, devra quitter son fauteuil le 1er mars. C'est important que nous précisions tout cela en ouverture de cette émission. Le CSA assure avoir révoqué Gallet au nom de l'intérêt général et du bon fonctionnement de Radio France, lequel nécessite des relations denses confiante et permanente entre son PDG et l'État. C'est ainsi que les sept sages ont motivé, hein, par écrit, euh, leur décision. Patrice Gélinet, que vous connaissez bien, Jean-Marie Cavada, ancien membre du CSA, ex-directeur et producteur de 2000 ans d'histoire sur France Inter, regrette cette décision prise. À titre personnel, moi je ne peux que le regretter pour Radio France, puisqu'au au moment où le groupe se porte bien, a atteint des résultats d'audience inégalés grâce à sa direction et alors que se prépare une réforme profonde de l'audiovisuel public. La Radio France n'avait pas besoin d'être fragilisée. C'est un mauvais moment. Et cela avant même d'ailleurs que la justice soit définitivement prononcée, puisque Mathieu Gallet a fait appel. Par ailleurs, j'ajoute que même si le CSA a pris sa décision en toute indépendance, moi ce qui m'inquiète aussi dans cette affaire, c'est la façon dont elle a été traitée par la ministre de la Culture. En demandant au CSA de tirer les conséquences de la condamnation de Mathieu Gallet, elle a remis en cause son indépendance, ce qu'aucun ministre de la Culture avait osé faire avant elle. Alors, beaucoup de sujets hein, dans cette intervention de Patrice Géliné, beaucoup de questions soulevées. Jean-Marie Cavada, je commence par vous. Vous regrettez la décision prise Il y a deux choses très intéressantes à regarder dans cette affaire. La première, je voudrais dire très clairement et très librement que je ne jetterai <coughs> pas le bébé avec l'eau du bain. Je veux dire par là que Mathieu Gallet, euh, qui n'était pas un, un grand spécialiste de l'audiovisuel, même s'il avait dirigé l'Institut national euh, a su trouver des collaborateurs, leur faire confiance, leur laisser la liberté de fonctionnement, qui ont amené les résultats que l'on connaît. Alors, ils sont historiques, mmh. c'est vrai, dit, euh, dit euh, Patrice Jalinet, en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Car je voudrais sur France Info rappeler que sous ma présidence, France Info a été la première radio de France. À vous le dire, c'est pas nouveau quoi. Les résultats sont oui, très bons, mais, dire, mais, mais bon, voilà. ça marche oh, bien. Bon. Ça marche bien et toutes les antennes ont, ont, ont progressé, mmh. ont bien ciblé leur qualité. Par conséquent, l'entreprise euh, marche bien. Bien sûr, si on fouille un peu, on trouve toujours euh, dans les coins de couloir des difficultés à résoudre. C'est une entreprise vivante et c'est tout à fait normal. Mais il y a un deuxième problème. Comment voulez-vous en effet? Sur des antennes qui distribuent, je dirais, la liberté, ce qui se fait, ce qui se fait pas, le bien et le mal, euh, à longueur d'antenne et à longueur de rapport avec, avec les auditeurs, comment voulez-vous vous présenter facialement avec quelqu'un qui vient d'être condamné Alors je n'ignore pas qu'il y avait un appel, on aurait peut-être pu d'ailleurs attendre mmh. le résultat de l'appel. Mais nous sommes dans un pays où depuis Baladure, c'est donc 93, c'est pas tout à fait neuf. On va beaucoup plus loin pour les ministres. On dit, si vous êtes mis en examen, ce qui ne veut pas dire condamné du tout, hein, mmh. eh bien, vous quittez le gouvernement. Mmh. Euh, eh bien, c'est en effet difficilement compréhensible que dans Donc ces conditions, l'exemplarité oui, pour oui, les plus, oui, voilà, vis -vis des des difficilement publics, compréhensible que, le, que les dirigeants okay. d'audiovisuel publics ou des grandes entreprises publiques à capitaux d'État majoritaires parce que c'est le cas ici, c'est même totalitaire, mmh, eh bien, puisse, puisse rester. Voilà ce qu'il faut faire. J'ajouterai une dernière chose peut-être d'ailleurs tout à l'heure, il faut qu'on parle du CSA dans cette affaire. Oui, on va mmh. en parler, vous inquiétez pas. Daniel Simonnet, votre avis là-dessus, vous Oui, ben, moi aussi j'ai plutôt envie de parler du CSA, parce que pour l'instant, évidemment, condamner, révoquer, c'est une cohérence même si à l'appel. Bon. Mais le vrai sujet, c'est euh, comment est-ce qu'on peut accepter euh, que les présidents de France Télé Télévisions ou de Radio France bien, puissent être nommés sans même avoir à présenter un programme, sans même qu'il y ait une délibération démocratique collective. Ça devrait être du registre du Parlement de délibérer et de voter là-dessus. Il devrait y avoir un Conseil national supérieur des médias ceux qui sont salariés et du métier ainsi qu'un collège de la société civile devraient prendre part au débat démocratique. Et je pense qu'aujourd'hui, on passe totalement à côté de ce débat-là. Partir, Mathieu, Mathieu, ne pas. Ben bah oui. Il est condamné, il est révoqué, ça, ça ne me choque pas. Même si après, on peut euh, débattre du délai. Ouais. Mais ensuite, décision du CSA, l'indépendance du CSA, mais il n'y a aucune bon. indépendance du CSA. Qui nomme le CSA C'est le pouvoir politique euh, qui, qui nomme le CSA. Et pourquoi est-ce que les délibérations du CSA euh, sont dans une, par ailleurs, une telle mmh. opacité euh, Ça n'est pas démocratique. André ça, on a le temps, hein, vous, vous inquiétez pas, il va y avoir un rappel de titre d'info. mais vous pouvez démarrer maintenant. Euh, votre <laughs> avis euh, <laughs> sur euh, cette, euh, ce, ce, ce départ en fait, de, de Mathieu Galil devait être. Euh, euh, je de ses fonctions Je pense que c'est une décision sage de la part du CSA parce que c'était totalement intenable. Euh, imaginez un président de Société nationale de l'audiovisuel, il est amené à rendre des comptes devant la représentation parlementaire, à représenter aussi dans tout un tas d'organismes aujourd'hui. il est tous Il y a toute une procédure. Oui. Euh, c'est normal. Et je pense que c'est même mieux pour Radio France parce que si la situation avait perduré neuf mois, un an, le temps d'un appel. Ça aurait été complètement délétère. Tant mieux que la situation de France Télévisions soit bonne. C'est plutôt dans l'offre télévisuelle, ou en tous les cas audiovisuelle, une société qui fonctionne bien, qui remplit bien ses missions. La question de l'exemplarité est forte. La question aussi de la confiance entre les PDG et leurs actionnaires, sans question de subordination, en tous les cas, est importante, puisque là, l'État représente l'intérêt général. Si quelqu'un considère qu'il peut gérer comme il veut le droit des passations de marché, ça pose problème. Allez, on va poursuivre sur cette idée dans un instant et entendre Gilles Bollstein aussi, mmh. 21h10 sur France Info, l'info avec vous, Diane Ferchit. Les avocats de Mathieu Gallet dénoncent la pression de l'État plus forte que la présomption d'innocence. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retiré son mandat au président de Radio France en cause de sa condamnation pour favoritisme lorsqu'il était à la tête de l'INA. Mathieu Gallet est condamné mi-janvier à un an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende a fait appel de cette décision. Le CSA affirme avoir choisi de le révoquer au nom du bon fonctionnement du service public de l'audiovisuel. Les parents d'Alexia n'ont rien vu venir. Maintenant, ils voudraient comprendre. Leur avocat s'est exprimé au lendemain des de Jonathan Daval. Ce dernier a reconnu hier avoir étranglé sa femme. Jonathan Daval est mis en examen pour meurtre. Le corps d'Alexia Daval avait été retrouvé dans un bois de Haute-Saône il y a trois mois. Depuis, son mari était apparu plusieurs fois en larmes lors de cérémonies et de marches à sa mémoire. Un projet de loi pour une meilleure rémunération des agriculteurs. Le gouvernement a présenté aujourd'hui le texte censé mettre fin à la guerre des prix entre distributeurs. La FNSEA se dit satisfaite de l'esprit général de ce texte, mais restera vigilante. Le ministre de l'Agriculture, ce tous les acteurs du secteur vendredi. 21 000 procès verbaux dressés à Paris l'an dernier pour jet de mégots sur la voie publique. Information de nos confrères de France Bleu Paris. Par rapport à 2016, c'est une augmentation de 1200%. Si vous jetez votre mégot par terre, vous vous exposez à une amende de 68 euros. Les services de la mairie de Paris en ramassent 350 tonnes chaque année. France Info 21h, heures, 22h, heures, tout est politique. Jean-François Aquili. Alors nous évoquions l'appel, en fait c'est un recours hein, que peut envisager Mathieu Gallet, un recours devant le, le Conseil d'État qui serait... Suspensif, hein, je, je parle sous votre euh, gouverne. Vous connaissez oui. bien la règle, André Gatola. Bon. Et euh, qu'est-ce que vous faites Vous lui déconseillez Tiens, vous prenez la main. Vous lui déconseillez de faire ça hein bah déjà, euh, il est en poste jusqu'au 1er mars. Donc euh, un recours, par exemple en référé, qui demande 15 jours euh, d'illustration, s'il décide de le faire euh, le dernier jour de février, nous conduirait à la mi-mars. Moi, j'ai l'impression, il peut faire également un recours tout court, non pas en, en référé, toujours auprès euh, du Conseil d'État. Moi, je lui Conseillerait pas, mais j'ai l'impression qu'il est euh, résolu. Il se sent euh, atteint. Oui, il parle d'injustice. Euh, hein, oui, il parle oui, d'injustice. Oui. Pour le moment, euh, je pense qu'il va réfléchir un petit peu, voir avec ses conseils. Effectivement, ça prolongerait la période. Donc, on va avoir une présidence par intérim de Radio France à l'issue du 1er mars. Pourquoi vous ne lui conseillez pas parce que je pense que, euh, franchement, je crois qu'à un moment donné, il est en décalage avec la réalité de la société. Vous voyez, euh, nous autres politiques, euh, Jean-Marie Cavada ou moi-même, ou, ou euh, 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 Daniel Simonet, on est soumis à des règles, à des contrôles de plus en plus importants, et on est soumis, soumis à une autre sanction c'est qu'on se représente ou on ne se représente pas. On est élu ou battu. Il y a des hauts responsables. Je vais dire de l'État, puisqu'il dirige des sociétés, comme le rappelait Jean-Marie Cavada, à 100% euh, possédées par l'État, qui ne sont pas soumises aux mêmes règles, y compris de transparence de la vie publique. Il y a quand même un décalage qui doit pouvoir s'appliquer à tous les responsables et à tous les hauts fonctionnaires. Gilles Je suis pas, À ma connaissance, j'en suis pas certain. Stéphane Richard, le PDG d'Orange, est mis en examen depuis un certain temps. Oui. Euh, dans l'affaire de l'arbitrage tapis, il dirige Orange depuis plusieurs années. Il est, il est années. reconduit dans ses fonctions. Il oui. est reconduit dans oui. ses fonctions oui. et personne ne dit qu'il n'est pas en état de diriger cette entreprise. Et il sera, il sera, il quittera le Orange s'il si est condamné. Euh, Tout à fait, mais il a un conseil si d'administration. S'il ah, est condamné. c'est à une, la fin, voilà. Ce n'est pas une société à 100% détenue par l'État il a un conseil d'administration oui. qui a tous les droits de le démettre. C'est pour ça que je pense que ce doit être les conseils d'administration qui doivent nommer. Je pense que la même maîtres. chose. Non, on a quelque chose à cette Jean-Marie Cabada, euh, je voudrais m'excuser auprès de Madame Danielle Simonet qui a commis probablement une erreur involontaire et en revanche abondé dans une des idées qu'elle a avancées. La première, c'est que quand vous vous présentez au CSA, ça m'est arrivé moi trois fois puisque j'ai présidé à trois reprises des sociétés publiques différentes, vous êtes obligé de venir avec un programme, oui. vous le déposez d'ailleurs, il a valeur d'ailleurs, après, si je puis dire, d'interjection, c'est-à-dire on vous dit vous avez dit ça, mais vous n'avez pas fait. Donc, donc, au contraire, il y a un programme. Mais le vrai problème derrière ce que vous avez dit, qui est tout à fait intéressant, premièrement, c'est très difficile d'envisager l'instabilité qui peut suivre ce coup de tonnerre. Oui. Et Radio France a besoin non seulement par rapport à là où les lois qui vont arriver d'être stables, et je dirais... Euh, consolidé, mais aussi euh, parce que une entreprise de radio, c'est une entreprise où toute la main d'œuvre d'art, hein, ce sont des artisans d'art, ils sont mmh. tous à l'intérieur, contrairement à la oui. télé, qui fait les, les, les trois quarts de son programme avec des achats extérieurs, mmh. qu'elle commande, Absolument. certes, mais au fond, c'est de la transaction commerciale extérieure. Donc, il y a une sensibilité ici. Ce sera très important que l'intérim, euh, d'une part, la passation de pouvoir, mais je fais confiance à Mathieu Gallet pour qu'il soit loyal et digne dans cette affaire et qu'il amène l'entreprise jusqu'à Jusqu'à son dernier jour, et la passation de pouvoir devra d'ailleurs euh, veiller à la stabilité de l'entrée. Mais il y a une deuxième mmh. question qui est posée dans cette affaire. C'est aujourd'hui le rôle assez extravagant qu'on a fait jouer au CSA depuis de bien longues sûr, années. Le Pourquoi CSA, Pourquoi Conseil supérieur de l'Audiovisuel, ouais. déjà c'est un, une magistrature intermédiaire et la France ne se débrouille pas bien, n'aime pas beaucoup ça, et les, ces magistratures, elles valent ce que valent. Ce que valent les hommes et les femmes qui sont dedans, y compris avec leur orgueil de faire respecter l'indépendance. Et objectivement, ça n'a pas toujours été le cas. Je dis tout à fait franchement que j'ai été. Pas, ce n'est pas, pas une bonne structure pour vous. C est, c est, ça ne fonctionne pas. Je vais pas. vous le dire. J'ai oui. été tout à fait stupéfait de, la, de certaines nominations. Euh, euh, et ça n'a rien à voir avec Mathieu Gallet. Euh, mmh. Et on voit bien là la faiblesse vous des hommes, qui les, les affaires de couloir. Des enfin, noms, des noms. <laughs> on verra ça un peu plus tard. Et en revanche, mais, en revanche, c'est impossible. C'est impossible. Oui, impossible. oui donc, bah, je parle d'une nomination de, de la responsable de France Télévisions. Je l'ai déjà dit sur vos antennes mmh. il y a quelques mois pour une raison simple. Mmh. Pour une raison simple, il y a deux plaintes qui sont déposées sur le mode de nomination qui vont toucher l'institution, qui vont toucher mmh. le président et les membres. Par conséquent, vous évoquez Delphine Ernotte. Euh, euh, la présidente de France Télévisions. Voilà, c'est clair. Il y a oui, ah, madame oui. Ernaut. Mais bien sûr, bien sûr. Et, et on voit bien que tout ceci déséquilibre l'audiovisuel. Mais par ailleurs, à la décharge du CSA, il faut remarquer qu'on lui demande de jouer deux rôles totalement contradictoires. Je nomme quelqu'un qu'ensuite je vais contrôler. sans Je, je, je le contrôle et je suis censé train l'un ou l'autre. Il faut faire comme en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Les conseils d'administration des entreprises, à condition que l'État diminue le nombre de ses représentants à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas de pression politique, absolument. doivent nommer exactement les dirigeants. Et ah, même en chose, c'est plus simple, on fait ouais. un appel d'offres dans la presse écrite. Et, et, la BBC Absol recherche un directeur absolument. général qui veut. Et ils auditionnent, ils auditionnent sur des programmes. Et, et, et même ça chose sur la représentation parlementaire. Je On ne vois dire pas bien ce bien que, les Vous reconnaissez que les parlementaires font dans les conseil d'administration fait... alors qu'ils sont ah. censés contrôler. Intervention de vous Simone. reconnaissez que les programmes, qu'il s'agisse de celui de Mme Ernotte ou qu'il s'agisse de celui de M. Gallet, n'ont pas fait l'objet d'un débat public, euh, contradictoire, programme contre programme, et que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Je ne sais pas On ne faut... permet pas un véritable pas débat faut... démocratique sur euh, l'enjeu du développement êtes... d'un service public. c'est de ce registre-là qu'il faudrait faire oui, une révolution que... démocratique pense... de nos médias publics. Oui, je pense que vous allez trop loin en pensant qu'on doit soumettre les programmes à l'approbation préalable euh, euh, du public parce que c'est un métier, le public ne sait pas, le public sait juger. Non, je ne dis pas forcément Alors, le public, je, je, vais, je dis un je débat public proposition. avec je notamment faire... la ah, profession. Oui, la ah ben profession, peur, qui puisse, voilà, ceux Mais qui travaillent. Au Canada, et au en aussi les auditeurs et spectateurs oui. sont représentés dans les conseils d'administration. On est très en retard en France. Dans il tous les, faut les organismes. Vraiment, il faut que ce gouvernement, qui a la prétention de faire des réformes, mette à jour tout ce système, y compris tout ce que ça veut dire en termes d'investissement sur le net. On en reparlera oui. une autre fois. Et vous, dans vous, vous dans de la... notre proposition d'ailleurs d'un conseil déontologique des médias, oui. Oui, ouais, qui, qui pas existe d'ailleurs au Canada, qui existe en Belgique, en, en et qui serait une vraie avancée démocratique. Parce qu'à côté de ça, on a le CS. Et le CSA, ouais. il est nommé par le pouvoir. Et non. franchement, c'est. On n'a pas le à oui, parler une voilà, question. non, non non, <laughs> non. non, non, Il est nommé à raison de deux conseillers par le gouvernement, l'exécutif, deux conseillers par l'Assemblée nationale, nationale de... et où vous êtes et représenté. C'est la deux autres. Non, pas non, question. Ça tombe, pas, bien, mais... ça tombe bien. On est sur les mêmes composantes. Question, ça, question à vous, André Gatolin, concernant euh, ce qui va se passer dans les prochains mois à Radio France. Nous avons donc euh, le doyen du conseil d'administration, Jean-Luc Verne, qui va assurer un intérim. Oui. Euh, il y aura une loi, on va en parler dans un instant, une loi sur le. L'audiovisuel, une réforme. Est-ce à dire que, au fond, la, la marche de la maison, les réformes envisagées vont être un petit peu mises en parenthèse le temps d'assurer un intérim Qu'est-ce qui se passe Non, moi je pense qu'il y a quand même une direction compétente dans, dans cette maison qui n'est pas représentée que par Mathieu Galet. Il y a tout un tas de projets, de propositions, justement, de synergie à créer. Je pense que les compétences. Il y a des directions là. des antennes qui fonctionnent très bien. Il y, a, il y a Laurent Guimier, numéro 2 de Radio France. Il y a les directeurs des chaînes. On, on, on... Ça tourne quand même. On a deux, oui, on a deux possibilités. Soit on reprend, une fois que la question de M. Gallet, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir un recours devant le Conseil d'État, ce qui change un peu les termes et les délais, euh, il y aura une direction provisoire il y aura euh, très vite une procédure entamé par le CSA pour nommer quelqu'un, sachant qu'il y a un amendement que j'ai fait passer en 2013 qui un peu qu sur le un, modèle un futur PDG pour six mois seulement avant la, la réforme. Non, mais et je pense que ouais. toute la question. Moi, j'ai fait une proposition de loi en décembre, de ma propre initiative, hein, qui n'est pas la République en marche, euh, travaillant sur ces sujets depuis pas mal d'années, pour qu'on change le système de nomination, oui, c'est-à-dire qu'on ait moins de représentants de l'État, qu'on ait plus de personnalités qualifiées validées par une majorité. Euh, Qualitative des 3 cinquièmes à l'Assemblée nationale et au Sénat pour avoir des professionnels. Ce qui est insupportable, c'est d'avoir des représentants de l'État qui ne sont pas d'accord entre eux et qui ne prennent pas toujours des décisions d'avoir des représentants du Parlement qui sont censés surveiller. Alors, s'ils si sont en amont dans la validation des gens qui sont proposés, on les retrouve au contrôle, mais on les retrouve pas dans la structure. Allez, 21h et 21 minutes, le retour de l'info avec vous, Diane Ferschit. Le syndicat national des journalistes réclame la suspension de la réforme de l'audiovisuel public. Après la décision du CSA, il a retiré aujourd'hui son mandat. Mathieu Gallet, le président de Radio France, condamné pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'INA, il a fait appel de cette condamnation. Ses avocats dénoncent une pression de l'État. Le CSA assure avoir pris sa décision au nom de l'intérêt général. Tariq Ramadan, en garde à vue à Paris. L'islamologue controversé visé par deux plaintes pour viol de femmes. L'accuse pour des faits qui remontent à 2009 et 2012. Les viols auraient eu lieu dans des hôtels. Tariq Ramadan dément ses accusations. Il a dénoncé fin octobre une campagne de calomnie. La SNCF condamnée en appel pour discrimination envers les Chibani. Ces cheminots marocains aujourd'hui retraités avaient été embauchés par la compagnie ferroviaire dans les années 70. Ils avaient un statut différent de celui des cheminots européens de bas niveau de qualification et de salaire qui les ont pénalisés au moment de la retraite. Au large d'Osgor, les recherches en mer pour retrouver le PDG de Silver abandonné ce soir. Pierre Agnès a disparu hier matin. Son le bateau a été retrouvé échoué sur une plage. Selon les secours, les chances de le retrouver vivant au-delà de 20 heures après le naufrage sont quasi nulles. La situation sanitaire s'aggrave dans la bande de Gaza. Sept centres médicaux ont dû fermer. Ils n'avaient pas assez de carburant pour alimenter les générateurs. En début de semaine, l'hôpital Beitanoun avait déjà dû cesser de fonctionner pour les mêmes raisons. Les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza ne reçoivent que quelques heures d'électricité par jour. France Info 21h, heures, 22h, heures, tout est politique. Jean-François Achille. Alors, il y aura une réforme de l'audiovisuel public voulue par Emmanuel Macron. La honte de la République, propos attribué, je précise, attribué. À au chef de l'État, formellement démenti par l'Élysée. Il n'en demeure pas moins que la réforme se fera confirmation lors des vœux présidentiels à la presse. Parce que les organisations que nous avons historiquement retenues ne sont sans doute ni adaptées à notre présent, encore moins à notre futur, il importe de revoir en profondeur et de manière très dépassionnée la grammaire et les règles de l'audiovisuel public. Le service public doit pouvoir, par nature, s'adresser à tous, et pour cela, il doit travailler sur les contenus et sur les usages. À la fin du premier trimestre 2018, des propositions partagées, chiffrées et structurées, construisant un scénario de, transform de transformation à mettre en œuvre, seront rendues par la mission sur laquelle s'appuie la ministre de la Culture et qui permettront ainsi de mettre, avant la fin de l'année, un projet de loi pour l'audiovisuel public sur la table du Conseil des ministres. Jean Marie Cavada Qu'est ce que c'est une bonne réforme? Je pense qu'il faut changer de siècle, de décennie en tout cas, de la manière suivante. Premièrement, j'aimerais que, dans un paysage audiovisuel extrêmement abondant, on dise une fois pour toutes, de façon claire, ce que l'on attend d'un service public et ce qui légitime l'impôt, puisque l'art de vente, c'est un impôt qui d'ailleurs ne peut pas euh, s'exonérer d'être voté par l'Assemblée. Encore faudrait-il stabiliser le financement sur plusieurs années parce que les entreprises, ça ne peut pas se conduire au bout du nez de mois en mois euh, et un budget qui ne dure qu'une année, vous pouvez pas beaucoup investir et c'est ce qui explique assez largement le fait qu'on soit en retard dans l'audiovisuel public sur la diffusion sur le net, même si on a fait des progrès de rattrapage importants qu'il ne faut pas négliger. Une bonne réforme, c'est ce qui c'est une réforme qui dira ce qui va distinguer l'audiovisuel public de télévision, parce que c'est là qu'est essentiellement le programme euh, euh, du marché privé, premièrement, deuxièmement, qui dira comment on va changer le système de nomination. Troisièmement, qui dira comment on va trouver un système de stabilisation financière sur quatre ans comme en Allemagne Merci. ou sur cinq ans comme en Grande-Bretagne, oui. tout en respectant l'indépendance. Je rappelle que les gens du bord de la BBC, donc les administrateurs, oui. ils, se, euh, ils, ils, ils sont euh, comment dirait, libres de toute influence oui. politique puisqu'ils sont payés par la liste civile de la reine. Absolument. Par conséquent, ils n'en ont rien à faire, eux, des gouvernements. Oui. Et enfin, une dernière chose que je veux dire, à partir de là, on pourra parler du périmètre de l'organisation. Il y a une chose qui doit être. Très nouvelle, c'est qu'il faut aller très probablement vers des directions de production spécialisées, l'histoire, euh, la musique, euh, mmh. euh, etc., lesquelles devraient fournir tous les réseaux. C'est difficile On en à est faire. Hein. Hein, c'est difficile oui. à faire. Mais c'est ça une bonne réforme, parce que la réforme qui va être faite là, elle va être aussi importante que celle de 75 ou 80, elle va durer 15 ans au moins, il ne faut pas se tromper. Daniel Simonnet, la bonne réforme. Alors la bonne réforme, la bonne réforme, ça serait de mettre de la démocratie et des moyens. Pour des médias publics qui sont au service des émancipations. Alors ça peut pas être, paraître un grand mot, mais enfin c'est ça. C'est un rôle magnifique d'avoir euh, un service public de l'audiovisuel en termes de création culturelle, en termes de travail d'investigation, de journalisme. Il euh, y, a, y a énormément de missions. Bon, donc c'est à respecter. Or aujourd'hui, on est en train de réduire euh, de manière assez drastique. Euh, les moyens alloués, on sait que du coup, ça pèse euh, sur 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 la capacité à créer, ça pèse sur la capacité à mener des investigations jusqu'au bout, ça me pose un vrai problème, voilà. Donc je pense qu'il faut penser les choses autrement et aussi euh, penser à qui, euh, qui sont les travailleurs euh, et les travailleuses là-dedans Aujourd'hui, on a une disparité énorme entre quelques stars extrêmement rémunérées et ensuite une très grande précarité dans tout un tas non, de, ça pas de, de, pas dans de le métiers. Ça pas public Ça, ça pas dans le public. Et ben, écoutez, y compris dans le public, on a, on peut avoir aussi, être confronté à ce problème-là, moins que dans le privé, mais c'est ces questions-là qu'il faut porter. André Gatola, il ne reste peu de temps, mais on pourra y revenir à la fin de l'émission. Oui. Rassurez-vous, la bonne réforme, selon vous, vous portez ces textes, vous Moi, moi je, je pense qu'il faut bien sûr penser à l'organisation. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Le rôle du CSA, le système de nomination, la question du périmètre. C'est bien d'avoir de nombreuses chaînes, mais quelle différenciation entre les chaînes Le, le CSA, d'ailleurs, a fait un rapport il y a quelques mois qui dit qu il n'y a pas cette différence entre France 2 et France 3. Comment on fait Quand je vois qu'il y a à peu près 9 heures de jeux télévisés par jour, sur France 2 et France 3, trop. je dis, est-ce que c'est une fonction de service public Qu'est-ce que ces jeux apportent Ce sont tous des concepts, à l'exception des chiffres des lettres, leur contenu intéressant. Mais certains là, certains y en a ont beaucoup c'est vrai. mais est-ce ouais. qu'il y en a trop D'ailleurs, ça ressort dans les enquêtes. Mais la question, ce sont effectivement les contenus. Comment on va aussi recréer une filière de fiction télévisuelle parce qu'on a tous sous-traité sous à des sociétés privées avec un système où c'est financé par l'argent public, mais les droits d'auteur reviennent. Et les droits de revente reviennent euh, aux entreprises privées qui les produisent. Il y a un moment, euh, comment, en Grande-Bretagne, un tiers du budget de la BBC provient de ces programmes et de ses reventes. En France, c'est peanuts. Alors, on est obligé de mettre de la publicité qui ne marchent pas très bien d'ailleurs, pour essayer de boucler Allez. les budgets. Il y a des vraies questions de travail très en profondeur auquel il faudra se livrer vraiment, en se gardant des passions. On y reviendra à la... à la fin de l'émission, comme ça on entendra aussi également sur ce sujet. Gilles Bornstein, place à la météo et aux infos, et à tout à l'heure. Bonsoir à tous. Pas de répit ce soir du côté des précipitations. Il est tombé aujourd'hui l'équivalent d'une semaine de pluie notamment sur le bassin de la Seine, ce qui n'arrange pas évidemment le niveau des cours d'eau. Alors pour ce soir, on retrouve la dégradation entre la façade aquitaine et l'Alsace avec ces pluies continues, souvent assez sensibles sur la façade atlantique, également sur la Manche avec quelques petites chutes, et averses de grésil près des côtes de la Manche. Demain matin, on retrouvera cette dégradation sur les régions du Sud, entre les Pyrénées et les frontières de l'Est avec des chutes de neige dès 400 mètres notamment sur les Vosges. Et puis toujours ces averses de, de Grésil, là, sur les côtes de la Manche. Alors, en cours de journée, on retrouvera un ciel de traîne généralisé avec du vent, de la pluie, mais également donc, ce Grésil qu'on retrouve effectivement sur certaines régions et notamment près de la Manche. Alors, pour les températures, les minimales, elles sont en baisse sur la moitié nord les 4 degrés à Paris comme à Brest, 7 pour Marseille. Pour les maximales, ces températures donc vont revenir à des valeurs de saison avec 10 degrés sur la façade atlantique, 10 degrés pour Marseille également. Je vous souhaite une très belle soirée. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. On débute avec l'affaire Jonathan Daval, le gendre idéal qui a caché le meurtre de son épouse pendant trois mois. On en sait un peu plus à présent sur ce qui a permis de le confondre. Ce sont les draps retrouvés près du corps de la victime, des morceaux de draps que la mère d'Alexia a reconnus hier lors d'une audition. Clément Le Goff. Il est depuis 24 heures derrière les barreaux. Après ses aveux hier soir, Jonathan Daval a été mis en examen pour meurtre sur conjoint. Impensable pour les parents d'Alexia. Le coup a été très dur à encaisser parce que vous savez qu'ils qu avaient une confiance absolue en Jonathan. Perdre de deux êtres chers sous des régimes différents en trois mois, plus la notion de trahison naturellement absolue qu'ils ne peuvent qu'inévitablement avoir au fond du cœur, c'est beaucoup pour des braves gens. Qui avait une vie, je dirais, une vie euh, tranquille. L'épilogue de trois mois d'enquête. Hier, après une trentaine d'heures de garde à vue, avant son ultime audition, Jonathan Daval discute quelques instants seul avec ses avocats. Un aparté qui va tout changer. À partir de ce moment-là, euh, on se regarde tous les trois et on se dit maintenant, euh, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc, euh, soit euh, on dit tout, soit on dit plus rien. Et Jonathan à ce moment-là se lève, pleure et va tout dire. Selon ses avocats, tout a commencé par une dispute conjugale. Mais comment expliquer les trois mois de mensonges, de dissimulation Aujourd'hui, la justice ne retient pas la préméditation, mais elle exclut aussi l'accident. Ce qui permet de retenir la qualification de meurtre, ce sont toutes les constatations qui ont été effectuées par les services de gendarmerie. C'est effectivement la mort par strangulation. Des éléments suffisants pour imaginer que la mort a été donnée volontairement. Des aveux, mais il reste des questions. Alexia a été retrouvée habillée en joggeuse alors qu'elle n'est jamais partie courir. Et comment expliquer que son corps ait été retrouvé en partie calciné alors qu'il nie l'avoir brûlé Le mari, devenu meurtrier devra encore fournir beaucoup d'explications aux enquêteurs. Dans l'actualité également, l'émotion est vive dans la communauté juive après l'agression d'un enfant de 8 ans portant la kippa à Sarcelles. Le mobile antisémite a été retenu par la justice. Et cet après-midi, le Premier ministre édouard Philippe a eu des mots forts pour condamner cette violence pour raisons religieuses. Et on retrouve maintenant Julien Benedetto pour le sommaire du 22 minuit. Bonsoir Claire, très heureux de passer cette soirée en votre compagnie. Voici le programme qui vous attend tout à l'heure dans ce 22h minuit, juste après votre journal. Claire, je recevrai Belir Nabli, directeur de recherche à l'IRIS. On évoquera avec lui le voyage d'Emmanuel Macron en Tunisie. Notre page cinéma, comme chaque mercredi, une comédie ce soir, troisième volet des tuches. Charlotte bouteloup a rencontré Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty. Et puis vos rendez-vous habituels, vous les voyez, la chronique sport. Euh, Monaco-Montpellier ce soir pour une place en finale de la Coupe de la Ligue. Le vu. Et puis en deuxième partie de soirée, l'interview écho. Voilà pour le programme. On vous attend nombreux à 22h. A tout à l'heure. A tout à l'heure. 21h, 22h. Tout est politique. Jean-François Aquili. La deuxième partie de Tout est politique sur France Info. Avec nos invités honneur aux dames, Danielle Simonet, oratrice nationale de la France Insoumise, avec Jean-Marie Cavada, député européen, ancien PDG de, de Radio France. Avec vous, André Gatolin, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine et grand spécialiste des questions liées à la réforme de l'audiovisuel public. Et avec Gilles Bandstein. Je voudrais vous, vous évoquer cette polémique hein, sur le cas Gérald Darmanin qui divise la classe politique, notamment à droite d'ailleurs, puisque les, le, le, le ministre des Comptes Publics, vous le savez, est mis en cause dans une affaire de viol euh, qu'il conteste, il faut le rappeler, une enquête préliminaire est ouverte et Laurent Wauquiez réclame purement et simplement sa démission et certains ténors, jusqu'à Nicolas Sarkozy, eh bien, euh, ne la souhaitent pas, cette démission. Euh, Gérald Darmanin garde le soutien du gouvernement, comme l'a rappelé le porte-parole euh, Benjamin Griveau à la sortie du Conseil des ministres. J'appelle l'opposition à beaucoup de retenue euh, sur ce type de sujet. Euh, Gérald Darmanin, le Premier ministre, l'a rappelé euh, euh, très tôt à la confiance du Premier ministre et à la confiance du président de la République. Et je crois que l'ensemble des membres du gouvernement ont pu euh, lui témoigner de leur solidarité. Étonnant comme l'actualité la, résonne ce soir. Daniel Simonnet, il doit. Se mettre en retrait ce, ce ministre Alors, je vais peut-être vous surprendre parce que, bon, dans l'absolu, moi je suis pour que tout ce gouvernement démissionne, que Macron démissionne. <laughs> dégagez-les <laughs> Dégagez tous Voilà, dégagez-les -dégage tous. En fait encore, oui. Vu en la en politique qui mène. Bon, ouais. euh, vu la politique qui mène et. Euh, plus tôt on y arrivera, mieux ce sera. Bon, mais non, je ne demande pas sa démission parce que je pense qu'il faut respecter un principe mmh. qui est euh, la présomption d'innocence. Par contre, euh, évidemment, c'est une affaire extrêmement grave parce qu'il est accusé euh, de viol. Donc, euh, c'est pas n'importe quelle accusation. Et il serait, euh, par ailleurs, de, une bonne chose que le gouvernement et tous les membres du gouvernement se gardent bien de s'exprimer, y compris sur son cas. Parce que cet empressement a tout de suite euh, surexprimé sa solidarité complète euh, et sa conviction euh, de l'innocence de Monsieur Darmanin, oui. mais sans la justice se faire. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a une très forte contradiction entre, à la fois d'un côté, euh, le gouvernement qui pourrait avoir envie un peu de faire pression sur la justice quand il exprime si fortement sa solidarité avec Monsieur Darmanin, et puis euh, est la, la est mi ministre euh, oui. Oui. Euh, qui, elle, par contre, d accord. D accord. commente la défense. Donc, donc euh, dans l'affaire euh, il de la Daval. Pour vous, il doit rester, mais tout le monde se tait, c'est ça l'idée. Bah écoutez, c'est euh, mm. à eux de prendre leurs leur décisions. Bon. Mais il y a à la fois le, 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 la présomption d'innocence, mm. voilà, mais à la fois l'affaire est très grave, il est accusé de viol. Oui. Donc euh, bon. on ne fait pas de pression sur la justice dans ces cas-là. Jean-Marie Cavada, vous connaissez bien euh, François Bayrou, Marielle de Sarnez, euh, Sylvie Goulard, il y a eu aussi Richard Ferrand, eux ont dû partir. On quelques autres, hein, je vous assure. <laughs> oui, je, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait avec euh, Gérald Darmanin moi, je partage un peu l'avis de Mme Simonet. Je veux dire, ce climat qui consiste à se précipiter pour se substituer en tant que juge moral au juge judiciaire, vraiment, ça devient étouffant et insupportable. La chose est grave, c'est une accusation qui est grave. Est-elle fondée Moi, j'attends que la justice et d'abord l'enquête policière déterminent et, et, et disent les faits. C'est un sujet sur lequel, moi, vous ne m'entendrez jamais. Et je trouve d'ailleurs à ce sujet que l'opposition, dont je n'avais pas remarqué qu'elle était si vieillotte, euh, est bien imprudent de se lancer dans une condamnation ex cathedra euh, des conseils ex mmh. cathedra parce que eux-mêmes, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ont eu à subir leur lot de, de présumés innocents mmh. euh, et par conséquent tout ça vraiment. Ça, pour moi, euh, ça répand un climat affreux. Il y a une police qui mène mmh. une enquête mmh. sur l'autorité du jeu. Voyons. Voilà. Et je, je ouais. m'arrêterai là vraiment. Ouais. Parce que l'affaire n'est pas une affaire d'opinion ou de parfum ouais. dans l'air. Hein. C'est quelque chose de très évite. grave si c'est avéré. Gilles Bernstein avant oui. André Gatelin. Je ne suis pas là pour dire si Gérald Darmanin doit partir ou rester. Simplement, je relève quand même une certaine contradiction au sommet de l'État. En parlant de Mathieu Gallet, la ministre de la Culture a parlé d'exemplarité. Et l'exemplarité, c'est n'est pas un critère juridique, c'est un critère moral. Ouais, ouais. Alors, si on parle d'exemplarité, voilà, il serait normal que le gouvernement se demande aussi si le comportement de Gérald Darmanin. Sans vouloir permettez-moi, permettez-moi, oui. Jean-François, de dire une chose. Là, il s'agit. D'une mise en examen. Et dans, le cas, oui. dans le cas de notre et ami Monsieur Gallet, c'est voilà, voilà. une préliminaire. enquête préliminaire. Absolument. Là, il y avait une condamnation judiciaire. On n'est mais... pas sur le même registre. Non, mais même la si ministre... Gallet est fondé à dire, mais vous allez la un peu vite en affaires, parlé... moi je vais faire appel. La ministre n'a pas parlé de droit, elle a parlé d'exemplarité. Oui, c'est mmh. André Gatolin sur oui. le point de vue moral. Moi, je crois que déjà, les ministres ou les personnalités doivent se garder de commentaires. On est dans l'empire le, des émotions, des réactions. Sur l'affaire Jonathan Daval, je trouve le monde ce soir à un très beau titre. Il dit son deuxième crime, c'est d'avoir trahi la compassion. Et je trouve qu'on met beaucoup trop de compassion. Moi, je connais Gérard Lamanin. J'ai travaillé un petit peu avec lui sur le budget. C'est quelqu'un qui mais de relations sympathiques, mais je ne peux en aucune manière définir quelle est sa vie privée, la confiance que je lui accorde. Il y a des faits juridiques, il y a une enquête préliminaire, il se trouve qu'il y avait déjà eu l'ouverture d'une plainte sans suite avec la même personne qui avait été arrêtée, il y a, eu, il y a un doute un petit peu sur la démarche, c'est au juge de faire, et à la police de faire la lumière, et en l'occurrence, il n'y a pas condamnation. Ce qui est important, dans le, je dirais, le procès galet, c'est qu'il y a une reconnaissance par l'accusé lui-même de légèreté sur les procédures de passation d'appels d'offres. Pour moi, ça, c'est un problème de compétence et oui. l'exemplarité. Quand vous êtes un, un président euh, que vous ne connaissez pas euh, les procédures d'appels d'offres euh, qui sont mises en place, ça, c'est un problème d'incompétence. L'exemplarité se pose là. Mais vous, après avez... sur la vie privée, oui. moi, je oui. suis pas euh, dans derrière le lit de personne Vous dites à l'instant que les, on, on va s'interrompre un instant avec Diane Fershid, mais vous vous, vous évoquez l'idée selon laquelle il faudrait que les personnalités au fond gardent silence, restent en retrait. Ah Concernant, non. vous évoquez à l'instant l'affaire Jonathan Daval. Vous avez la secrétaire d'État Marlène Schiappa qui oui. a contesté l'argumentaire de la défense de l'avocat de la défense Randall Schwerdorff. Hum. Elle estimait que euh, ce qui est il ne fallait dingue, pas évoquer son oui. rôle. Hein. Oui. Oui. Alors dans ces cas -là, est, est ce cas-là, qu'est-ce qu'il vaut Il faut. Il faut bah, se... moi, moi, je, je pense oui. qu'elle est allée un petit peu trop loin. C c'est-à-dire que, euh, je comprends, elle mène un combat pour les femmes et, et la notion de féminicide qui étonne tout le monde existe dans des tas d'autres pays. C'est des femmes, des compagnes euh, qui sont tuées par leurs compagnons, euh, qu'ils soient mariés ou non, oui. c'est une notion qui existe. Mais je crois que là encore, il est toujours dangereux pour un élu en responsable politique de commenter des affaires de justice. Et aussi pour les médias. Je crois que les médias ont un rôle à jouer quand ils enquêtent, quand ils contre-enquêtent, qu'ils apportent des éléments. Quand ils Joue la sympathie euh, du mari euh, et pleurer en disant Ah bah oui, on est tout touché, il semblerait, etc. Il faut être très prudent. Restons un peu sur les faits. Et je pense que les politiques doivent se poser, qu'ils soient mmh. au gouvernement ou pas, euh, cette même retenue. Nous en dirons encore un petit mot là-dessus, euh, juste après l'info à 21h40 sur France Info, avec vous, Diane Ferschit. La ministre de la Culture estime que l'exemplarité est une condition absolue pour les dirigeants d'entreprises publiques. Réaction à l'éviction de Mathieu Galère évoquée par le CSA à compter du 1er mars. En cause sa condamnation pour favoritisme lorsqu'il présidait l'Institut National de l'Audiovisuel. Condamnation pour laquelle Mathieu Gallet a fait appel. Son mandat courait jusqu'en mai 2019. Il peut encore déposer un recours devant le Conseil d'État. Le gendre idéal a totalement pété les plombs et commis l'irréparable réaction de l'avocat des parents d'Alexia Daval aujourd'hui. Son mari Jonathan Daval a avoué hier l'avoir étranglé. Il a été mis en examen pour meurtre sur conjoint pendant trois mois. Il a joué le veuf éploré. une comédie mortelle qui lui coûtera cher au procès selon la... L'avocat des parents d'Alexia. Il affirme qu'à présent ses clients veulent juste comprendre. Dans le nord de la Syrie, l'offensive turque continue. Afrin, Ankara ne cesse de répéter sa détermination à poursuivre son opération militaire. Emmanuel Macron met en garde la Turquie contre toute velléité d'invasion de la Syrie. 15 000 personnes fuyant les combats ont été déplacées dans la région. La 43e cérémonie des Césars, les films 120 battements par minute et au revoir là-haut dominent les nominations. 13 nominations chacun dont celle de meilleur film, meilleure réalisation et meilleure musique originale. Les récompenses seront remises le 2 mars. Il y aura aussi cette année un prix pour le film ayant fait le plus d'entrées. France Info 21h22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Daniel Simonet, je me tourne vers vous concernant cette affaire. Euh, Jonathan Daval, euh, ce qu'a dit Marlène Schiappa, la, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Elle dit, elle tweet, elle dit, je lutte contre la banalisation des violences conjugales. Ça suffit, les médias ont une responsabilité. Rien ne justifie, n'excuse que l'on frappe-tue sa femme, rien. Elle s'élève contre la ligne de défense de l'avocat de, 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 de cet euh, accusé de, de meurtre. Quel est votre regard là-dessus, vous, Daniel Simonnet Et ben En fait, c'est compliqué parce que... Euh... En tant que féministe, je trouve totalement insupportable cette histoire et, et je trouve insupportable le nombre de femmes victimes de violences euh, et qui sont souvent euh, l'objet d'un traitement médiatique euh, comme c'était juste du fait divers. Parce que l'avocat dit qu'il y, qu y avait deux victimes dans cette affaire. Hein. Attendez, oui. Mais pour autant, voilà, autant j'estime que quand il y a une affaire qui est en cours, le rôle d'une ministre n'est pas de commenter une affaire qui est en cours. Et euh, même si on peut avoir chacun son son, son avis, son, sur, sur ce qui est en train de se passer, mmh, mmh, mmh. laissons la justice faire son Là travail. Encore. Laissons la justice faire son travail encore une fois. Et euh, quoi qu'on pense, la défense a le droit. De développer ces arguments, même s'ils sont pour nous insupportables. Et, et, et en tant que féministe, oui. il m'est insupportable et que l'on puisse, une fois de plus, laisser sous-entendre que ça serait la oui. femme qui aurait un comportement insupportable et tout cela. Mais oui. quand on est respectueux de la justice et de l'indépendance de la justice, son corollaire, eh bien, on n'accepte pas qu'une ministre, eh bien, commente. En fait, dans ce gouvernement, parfois, il faudrait qu'ils apprennent oui. à se. Monsieur Stein. Il n'y a pas besoin d'être féministe pour trouver ça insupportable. Pourquoi vous dites entendre mais que Vous êtes peut-être aussi. En tant qu'être humain, vous avez le droit. En tant qu'être humain, les hommes le droit d'être féministe. Non, mais qu'on nie dire que... le féminicide, c'est-à-dire Tout... qu'on nie que dans ce pays il y a des violences. Contre Alors. les femmes spécifiques et qui ne sont pas simplement à banaliser avec le terme violence conjugale, comme si c'était un partout balle au centre. J'allais dire voilà, que j'étais hein, que 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 parfaitement d'accord mmh. avec vous que tout cela était insupportable mmh. et qu'on a le droit d'avoir une stratégie de défense. J'ajouterais au risque de paraître politiquement incorrect que si c'est l'inverse, si une femme tue son mari, la stratégie des avocats consistant à dire mais il était insupportable, il était violent, etc. n'aurait choqué absolument personne dans le débat public. Alors que là, dans ce cas-là, ça choque. Et je trouve que la oh, véritable le, légalité... le cas Jacqueline Sauvage montre quand je même qu'il y a des, euh, des, des, des assassinats légalité. de conjoints qui, qui résultaient réellement de bien violences sûr, dans durables, un cas, répétées, Dans un cas, dans un cas on faire... a le droit de faire valoir quelque chose, dans l'autre non. Et je trouve que la véritable égalité, c'est quand on aura le droit de faire valoir les stratégies de défense dans deux cas pédagogue de Jean 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 Gilles mais je veux faire remarquer qu'il n'y a pas besoin d'être féministe au sens où vous l'entendez pour respecter les femmes dans toute tout l'acceptation du terme. Ça commence là. Après, et le si féminisme est un point euh, Pour la fin de la domination patriarcale, vous êtes féministe <laughs> et, 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 et je vous invite à l'être. Je pense qu'elle euh, est en cours et c'est une bonne chose. c'est une bonne chose pour toutes nos oui, émancipations. Elle est en cours hein, c'est une hein, bonne chose. Dans voilà. ce que je veux dire, il faut revenir à des choses un petit peu raisonnables. C'est un crime et par mmh. conséquent, mmh. tout le reste, le reste est vraiment affaire de nuances. Un crime odieux. C'est un Je vous en connaissez de ça. Sympathique, vous non. Bon, alors, ce que je veux dire par là simplement, c'est que c'est un, un tel drame que je suis étonné que tant de gens ouvrent la bouche pour commenter ce qu'ils ne connaissent pas dans l'intimité. Premièrement, et deuxièmement, si j'avais la moindre responsabilité éditoriale dans un média, j'appellerais ce média à une grande modération. Quelques médias en ont fait des tonnes insupportables. Allez, je vous soumets également cette euh, agression terrible à Sarcelles d'un enfant de 8 ans euh, portant une kippa qui, qui provoque légitimement bien sûr l'indignation, il y a eu ce tweet du président Emmanuel Macron et également euh, cette intervention d'Edouard Philippe le Premier ministre à l'Assemblée nationale lors de la séance des questions au gouvernement. Oui, il existe une nouvelle forme d'antisémitisme violente et brutale qui s'exprime de façon de plus en plus ouverte sur notre territoire. J'annoncerai dans quelques semaines, à l'occasion de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, le contenu du nouveau plan interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je le veux large et je le veux ambitieux. André Gatolin, euh, oui. un nouvel antisémitisme français Oh, je pense qu'il y a une récurrence, hein. c'est pas nouveau dans la société, mais ça s'exprime. Le, le, le plus terrible, c'est de le voir s'exprimer dans la jeunesse, à l'égard euh, d'enfants. Je ne veux pas dire que c'est plus odieux, qu'il n'y a pas d'odieux, mais euh, on a l'impression qu'il n'y a plus de cadre, euh, de référence à l'histoire et à ce qui s'est passé. En même temps, moi, je suis un peu étonné des déclarations de François Pupponi, qui est le député PS, qui est quelqu'un qui connaît bien Sarcelles, Sarcelle, qui en était maire, qui a dit qu'il voulait amender prochainement la loi en aggravant l'acte d'antisémitisme et de racisme de tout, dans toutes les agressions d'un membre d'une communauté religieuse qui porterait un signe distinctif reconnaissable. Je dis, pour lutter contre ça, ça veut dire que demain, pour se protéger, j'aurais intérêt à avoir un signe religieux distinctif. Je pense que la lutte... Contre l'antisémitisme, contre les formes avérées de racisme, passe quand même par autre chose simplement que le renforcement de la loi, parce que déjà, il faut arrêter les gens. Les choses sont en instruction. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on trouve. Faut vouloir, euh, des, des... Voilà. Enfin, il faut arrêter de vouloir gérer des. Il faut arrêter de vouloir mettre des, des degrés d'acceptabilité euh, entre un acte euh, euh, racisme contre quelqu'un qui aurait un signe religieux mais ou un, un... contre un acte raciste sans, sans que la religion n'interfère. Voilà, C'est ce que je voulais démontrer. Je, je universaliste où on l'est pas vous, vous, et donc on mais, lutte contre mais, toutes les mais, formes Danielle de racisme Simone, point Daniel Simon, vous êtes d'accord qu'il y a une forme de d'antisémitisme de, de, récurrent dans ce pays? Bah, écoutez, bien sûr que oui, il y a toujours eu un, un antisémitisme, mais qu'il faut combattre. Et on a vu ce qu'il a pu donner il y a dans toujours, les périodes, il y a les périodes long, il en les plus terribles de, de notre histoire. Hein, c'est quand même pas si euh, pas éloigné, éloigné que cela. Et après, il peut prendre des formes différentes. Et on doit lutter contre toutes les formes de racisme. Que ce soit contre l'antisémitisme et l'acte euh, à sarcelle sur ce jeune enfant de 8 ans. 8 ans. Enfin, je veux dire, c'est totalement, mmh. puis c'est d'une lâcheté. On, on apprend que ces deux jeunes de 15 ans qui s'en prennent à un gamin de 8 ans qui porte une kippa, c'est tout simplement insupportable. Donc il faut lutter contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme et s'interroger comment est-ce que c'est possible euh, qu'on en, qu en soit là aujourd'hui. Euh, quels sont égales, exactement les moyens qui sont alloués à l'éducation populaire, euh, au MJC, euh, au centre d'animation, à la culture dans l'ensemble des quartiers pour contribuer à l'émancipation hein, euh, et qu'on lutte sur toutes les formes de racisme aussi. Hein, parce que le nombre première... de jeunes qui subissent le racisme et qui du coup peuvent aussi à un moment donné euh, se, se, mmh, se planquer oui. dans des identités de France et dans des mmh. comportements à nouveau racistes, totalement inacceptables, ça existe aussi. La Kevin. première des choses, c'est l'école. La deuxième des choses, ce sont les familles. La troisième des choses, c'est l'environnement des travailleurs sociaux et autres qui, sont, qui ont pignon sur rue dans la vie de la cité. Mais je veux surtout dire à tous ceux qui nous regardent et nous entendent euh, ne croyez pas que cet épisode est un épisode euh, je dirais presque isolé oui l'antisémitisme a gagné du terrain ces dernières années dans notre pays comme dans toute l'Europe parce que en ce moment l'Europe est à nouveau gagnée par cette gangrène qui se traduit d'ailleurs par des réactions sous des formes diverses et le moment est venu le moment est venu comme à la fin des années 20 et au début des années 30 le moment est venu de prendre des dispositions et d'une intransigeance absolue. je vous recommande de retourner à la lecture du prix goncourt qui s'appelle l'ordre du jour oui. et si vous avez un peu plus de temps de lire retour à l'emberg l'emberg c'est le, le lvov où ils vivent actuellement en ukraine pour comprendre que les mêmes germes sont en train de produire les mêmes effets et nous en sommes tous responsables parce que ce sont les urnes qui ont amené les fascistes et les néonazis et tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui court derrière au pouvoir. Les chars ne sont venus qu'après. 21h50 sur France Info, le retour de l'info avec vous, Diane Ferschit. Lactalis demande à la préfecture de la Mayenne de prolonger le chômage partiel dans son usine de Cran. Il est en vigueur depuis le début du mois pour 250 salariés. C'est de ce site de Cran que sont sortis les lots de lait contaminé au salmonelle. 37 bébés ont été touchés en France. Dans un entretien à paraître demain dans les échos, le très discret PDG de Lactalis évalue à des centaines de milliers d'euros le coût de cette affaire pour son entreprise. Le CSA assure ce soir avoir évoqué Mathieu Gallet au nom de l'intérêt général et du bon fonctionnement de Radio France. Ses avocats, eux, dénoncent la pression de l'État plus forte que la présomption d'innocence. Le conseil supérieur de l'audiovisuel a retiré son mandat au président de Radio France à cause de sa condamnation pour favoritisme. C'était lorsqu'il était à la tête de l'INA. Mathieu Gallet, condamné mi-janvier à un an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende, a fait appel de cette décision. L'islamologue controversé Tariq Ramadan, suspecté de viol, il est en ce moment en garde à vue. Deux femmes ont porté plainte contre lui. Tariq Ramadan, entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire, dément ses accusations. Les deux femmes affirment avoir été violées. L'une en 2009 dans un hôtel lyonnais, la seconde en 2012 dans un hôtel parisien cette fois. Le chef du Hamas, placé sur la liste noire des terroristes par Washington, Ismaël Haniya, dirige le mouvement palestinien depuis mai dernier. Pour les États-Unis, il menace la stabilité au Proche-Orient et sape le processus de paix avec Israël. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Merci Diane. Allez, on va se détendre un petit peu. Il nous reste quelques minutes. On va parler, tiens, de réforme de l'audiovisuel public. Le retour. <laughs> avec une question de Gilles Bonstein. Oui, alors depuis longtemps et particulièrement depuis quelques semaines, j'entends ce projet de BBC à la française et donc de fusion des entreprises publiques avec une seule présidence, un président ou une présidente. Alors vous qui avez l'expérience de ces choses, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas Qu'est-ce que ça apporterait quels seraient les problèmes euh, On, on commence par qui ah, Jerry Cavada ouais. Je euh, on, on parlera de ces choses. C'est tout à fait. Ce serait comique si ça n'était pas dangereux. Ces grandes formules sont absolument sympathiques. D'abord, qui de ceux qui en parlent sont allés réellement passer une absolument. semaine, deux semaines, trois BBC. semaines à la BBC pour y ça travailler nous agaise, ça. comme nous ouais. l'avons fait quelques-uns ouais. d'entre nous ouais. Et donc, avoir une certaine autorité pour en parler, il faut quand même le dire. Ouais. Hein, on ne va pas mettre, comme je l'ai déjà dit sur cette antenne, un garagiste à la, à la tête d'un bloc opératoire. Mais quand il s'agit de réformes audiovisuelles, peut-être peut-on consulter sérieusement, parce que c'est grave que ça va durer longtemps, ouais. les gens qui en ont une certaine expérience. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on verra à la fin quelle structure peut gouverner l'ensemble? Voyons d'abord ce que nous avons dit tout à l'heure. Les missions, le financement le mode de nomination, ça va pas se passer comme et on verra ça après. Non. Ben, non. Que ça se passe ou pas, moi, il y en y tout y cas, avoir je droit, veux dire, il je avoir le, le service à mon si pays, après, pas. je ne décide voilà. pas. Hein. Non, la note, la mais... question, euh, oui. avec, avec mon collègue euh, euh, Jean-Pierre Leleux républicain, dans, dans un rapport bipartisan, il y a trois ans, on a proposé une convergence des sociétés de l'autovisuel public en France, en parlant d'une holding pour suver, euh, progressivement déjà mutualiser et avoir un pilotage global. C'est utile ou c'est un un machin un nouveau Non, c'est pas un machin, c'est simplement on a des par exemple regardez dans les développements des plateformes euh, chacun fait sa plateforme VOD dans son coin, Arte fait la sienne euh, France nous. Télévision. Fait la sienne, non vous, vous n'avez pas. En non, ce moment même, non, non mais par exemple pour la radio et pour, à la télé. Pour, pour acheter de la bande passante, oui, mais enfin entre-temps le rapport date d'avant la création de France Info TV. Je dis simplement la première chose qu'a fait la ministre de la culture de l'époque Flore Pellerin pour discréditer notre rapport en disant ah mais vous voulez fuser Fusionner tout ça, vous voulez faire la BBC à la française. Terme qui n'existe pas dans le rapport. La fusion est extrêmement dangereuse aujourd'hui puisque nous avons des entreprises et des corps de travail qui sont différents. Par alors, contre, qu'il y ait des oui. synergies et des rapprochements. Expliquez-moi pourquoi. À France Télévisions, sur moins de 1000 salariés, il y a à peu près 5%, 425 à 450 personnes, qui travaillent dans les ressources humaines. Il y a un moment, je me dis, un bon système de ressources humaines, ce n'est pas 5% de la population. Est-ce que, que c'est ça la priorité, priorité? Est-ce que c'est est ça aujourd'hui le si, si, sujet le plus si prioritaire Moi, j'aimerais bien là, savoir juste que pour... vont devenir, Allez. par exemple, France 3, voilà. mais, tous les mais, France 3 régionaux. Alors, alors, parce oh, qu'aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude. Il y a une vraie, une vraie inquiétude absolument. de ceux qui y travaillent pour... et de ceux qui sont attachés à ce travail d'information sur l'ensemble des territoires. Jérémy, pour bien faire la télévision, il faut qu'il y ait des moyens. Quand les fonctions dites support se font, se développent bah, au détriment de la production... des moyens, moi je de vous production, sur cette phrase, France, Le gouvernement attendez, veut couper attendez, les attendez, moyens. Attendez, non, pas, la, la question, oh, excusez-moi, elle a augmenté depuis 20 ans de manière continue. 2,7 milliards pour la télévision, ouais. quand même, ah, de, André, de, il ne faut pas exagérer. milliards de redevances et 2,9 milliards rien que pour France Télévisions, rien. Je vous ai une question très précise. Il y a eu jadis une sorte de séparation d'un média radio des télés régionales pour donner... Au fond France Bleu oui. et on a France 3 régions. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on va vers finalement un retour de ces idées bien, bien évidemment, puisqu'il y a l'avenir du on numérique et tout, tout ça va oui, être oui, mis en permanence. On peut en discuter courir. ici, il en faut une heure. Mais oui. faisons oui. attention, ce pas oui. les mêmes métiers au même rythme. S'il y a un, bien un bien événement dans une région, le journaliste ou la journaliste qui en reportera sur les antennes de Radio France, puisque c'est ça, n'aura pas une minute pour faire un reportage TV. Ça ne tient pas debout. Faisons attention aux choses qui ont déjà existé et qui n'ont pas marché. Prenons notre temps. Je suis partisan qu'on Étudie très en profondeur. Une réforme, elle a deux buts. L'émission, qu'est-ce que c'est qui distingue du privé Et mmh. deuxième chose, est-ce que ça apporte des économies Si mmh. ça apporte pas d'économies, il ne faut, pas faire, faut pas faire un rassemblement. Mais vous savez, Et vous... ça, c'est vraiment très important. Vous avez des émissions ça. déjà sur France 3, comme Midi en France, où il y a mmh. des journalistes de France Bleue qui contribuent. Et c'est très bien. Euh, Aujourd'hui, il y a un problème dans l'offre d'information audiovisuelle c'est au niveau local dites, dites pas de à part excusez-moi vous avez des monopoles et des journaux euh, des quotidiens régionaux qui sont de moins en moins lus il y a un besoin dans l'information publique c'est une mission de service public d'avoir un service fort au niveau de l'information locale et euh, on crée beaucoup de choses au niveau national, il y a un déficit aussi sur l'information internationale globalement, a on a France 24, un, a on peut pas un, le, un, le voir il y a d'ailleurs un paradoxe très intéressant dans l'époque où nous vivions, on va vers une régionalisation oui. Euh, très poussée. Et Bien Dieu sûr. merci, je ne suis absolument pas jacobin, je suis girondin. Il faut pousser cette régionalisation. On a des grands pôles économiques qui feront émerger mmh, des mmh. pôles politiques. C'est le moment où on recentralise en jacobin d'audiovisuel. Mmh. Non, il ne faut pas. Il faut donc, décentraliser tout fait. vraiment tout ça. Ils n'ont pas fait grève pour rien la, hein, la télévision. Ils n'ont quand même pas fait grève pour rien. C'est qu'il y a donc des problèmes. Un, il y a eu mmh. une volonté de couper les moyens. Deux, et de réduire l'émission sur l'ensemble des territoires. Et aussi. Pour l'information et pour la création. Voilà. Allez, c'est le mot de la fin. Euh, André Gatolin, juste une toute petite parole. Ce sera plutôt euh, une révolution, un big bang, ou alors ce sera un petit peu à la marge après. Et tout ce tout sera seul. quand Ah ben et quand ah ben Déjà, quand je Par pense raison, je que, que euh, l'objectif et a été fixé par le Président de la République. C'est-à-dire que euh, le texte doit être sur le bureau euh, du Conseil des ministres fin d'année. Donc, voté l'année prochaine. Et l'idée, après... Est dans un an. On... C'est dans un an, bien sûr. Dans un an, bien sûr. dans un an. Allez, merci à vous, André Gatolin. Merci, Gilles Bornstein. Merci à vous, Daniel Simonet. Merci à vous, Jean-Marie Cavada. Merci. merci de vous vous. -vous. vous n'êtes pas candidat pour être PDG de Radio France, oh par exemple. Dieu. Allez, <rire> <rire> merci à tous. Je à ne jamais après. sur les <laughs> lieux de mes crimes. <laughs> à demain, à demain, pour une nouvelle édition de Tout est politique sur France Info.